Bonjour à tous, on se retrouve pour la rentrée. J'espère que toutes vos petites têtes blondes ont bien réussi leur rentrée, qu'ils ont des gentils maîtres, des gentilles maîtresses, des gentils professeurs ou ceux qui sont au collège. Voilà, et bien comme l'année dernière, je vais vous refaire un school book. C'est une mode un peu anglo-saxonne où on offre à un enfant qui rentre à l'école un livre pour l'année. Et mois par mois, il met une photo ou des photos et il marque un peu ce qui s'est passé dans sa vie scolaire. Alors l'année dernière, j'avais fait le système des enveloppes. Je vous le mettrai à la fin, dans le générique de fin, le lien de la vidéo de celui de l'année dernière. Et cette année, alors on change, on fait une technique que quelques-unes d'entre vous m'ont demandé quand elles ont vu le junk journal que j'avais fait sur le thème de l'Irlande. Pareil, je vous mettrai à la fin le lien de la vidéo, c'est celui que j'avais envoyé à Miss Mium Mium, c'est-à-dire le système de la reliure piano. Piano, alors normalement ça se fait avec des baguettes, moi je le fais avec des crayons de couleur. Voilà le système, donc c'est ce qui sert de charnière pour les pages. Donc, alors pour vous, ce qu'il vous faut, ben, il vous faut déjà des crayons de couleur. Si vous le faites avec des baguettes, il faudra juste faire les encoches plus petites. Alors, pour ma part, j'ai pris ceux de chez Action au rayon enfant. Ils valent moins de 50 centimes. Il y en a 12 dedans et on n'en utilisera que, je ne sais pas de bêtises, qu'on n'en utilisera que 7. Donc, avec deux pochons, vous pouvez faire trois school books. Voilà, et il vous faudra, si vous voulez ce même format paysage, des feuilles format A3. Alors moi, il m'en restait quelques-unes. Elles sont un peu cartonnées. C'était un bloc, enfin pas un bloc, un paquet que j'avais acheté une fois chez Bureau Vallée. Elles font quand même du 200 grammes. C'est pas mal. Si vous n'en avez pas 200 grammes, essayez d'éviter en dessous de 120 grammes. Ce sera trop mou. Et le risque, c'est que ici, ça se déchire. Voilà, de la ficelle ou du ruban, et puis après, ben, des papiers décor, des stickers, ce que vous voulez. Après, c'est libre à chacun de le décorer comme on veut. Donc là, c'est pour ma petite nièce Anna qui fait sa rentrée au CM1. J'espère que Anna, ta rentrée s'est bien passée. Et je donnerai ce livre à ta mamie, elle te le remettra courant de la semaine prochaine. Voilà, donc au début, il y a une page d'introduction où elle mettra ce que vous voulez. Là, j'ai mis un petit sentiment. Ici, j'ai fait une pochette avec des petites cartes de Project Life. Ensuite, il y a tous les mois, j'ai mis à l'aide deux petits onglets. Et à chaque fois, un côté où vous collez ses photos ou sa photo. Et de l'autre côté, j'ai mis des pages de classeurs pour qu'elle puisse faire un peu de journaling. Voilà. Et après, ben, elle continuera de le décorer comme elle le veut. Allez, c'est parti, on fait le système de la reliure piano. Alors, on va couper nos feuilles. Il nous faudra deux feuilles de 14. 14, c'est la hauteur, hein, sur 21 cm. Quand on plie une feuille A3 en deux, bah, ça nous fait pile poil 21. Si j'avais une feuille plus grande, j'aurais fait fois la longueur. Ou si vous n'avez pas, bah, vous faites plus court. Et par exemple, si vous posez une 30-30, ça vous fera un carnet comme ça qui fera 15 jusque là, mais en fait 13 pour faire le journaling. Donc ça, on en coupe deux. Ce sont les extérieurs, vous voyez, elles sont un peu plus longues que les pages intérieures. Et pour les pages intérieures, on en coupe 4 qui font toujours 14 la hauteur, mais cette fois-ci un peu plus courte, 18 cm. Sous mes deux feuilles qui font 21 cm, ce seront donc la couverture avant et la couverture arrière. Mais je voudrais utiliser l'autre pendant de ma double feuille ici comme déjà une page. Donc je vais enlever sous la couverture avant la page arrière 1,5 cm, pardon, ici. Et sur la couverture arrière, là je vais prendre la première page et je vais aussi enlever 1,5 cm pour que ça devienne des pages de mon petit carnet. Et voilà la structure. Alors, ce que je vais faire aussi, que j'avais pas fait
avant, c'est sur celui-ci, je n'avais pas, pas ancré. Alors, je vais d'abord faire mes découpes, mais je ne ferai pas le montage tout de suite pour pouvoir ancrer aussi les petites tranches là. Alors, pour les découpes, on va prendre sur la couverture, ce sera pareil pour chaque feuille. Nos crayons, ils sont fins, hein, ils font à peu près 0, je dis pas de bêtises, 0,6, 0,7 de largeur. On essaye de doubler pour que ici la charnière puisse être souple quand même. Si vous le faites trop serré, vous n'aurez pas bien à ouvrir. Donc, on va tirer un trait. J'ai pris le parti pour ça, puis ça marchait bien, de faire mes charnières à 1,5. Donc, comme ça. Donc, 1,5. On tire un trait. J'arrive à le mettre droit. Voilà. Et de ce trait, on va, comme ça fait 14 de large, tous les 2 cm faire un petit repère. Tirer un trait. Je vais mettre comme ça pour que ce soit droit aussi. Et avec des ciseaux, on va couper le trait là bien bien jusqu'à la ligne là. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, une sur deux, on va les plier vers l'intérieur. Donc on commence par la première, bien sur la ligne de pliure. Et bien perpendiculaire ici, et pareil avec son plioir, on marque bien le pli. On obtient ceci. Et avant de continuer, on va juste gommer nos traits, parce qu'après ce sera plus difficile de le faire une fois que c'est monté. Donc on enlève tous nos traits de crayon. Et c'est là qu'on va faire un, avant de le monter, on va ancrer un petit peu nos bordures. Je vous montre juste le pliage qu'il faut effectuer. Donc ceux qui avaient été pliés, vous voyez, on les rentre à l'intérieur, un sur deux. Et là, on voit déjà apparaître notre reliure piano. Pour celui-ci, je ne l'avais pas fait sur l'autre, j'ai décidé d'ancrer les attaches ainsi qu'un peu le tour. Et comme c'est pour une jeune fille, celui-ci qui va rentrer en sixième, enfin qui est entrée en sixième et qui adore la nature, donc je vais le faire avec le Botanic Vintage. C'est un bloc qui était sorti début d'année ou l'année dernière, je ne sais plus, enfin je l'aime beaucoup celui-ci. Et du coup, je vais ancrer tous mes bords avec une encre qui va bien avec. Là, c'est la Rustic Wilderness de chez Ranger Timmels. Donc, je vais ancrer tous les bords. Si vous ne voulez pas faire ça, vous zappez cette étape et vous suivez, vous passez à l'étape suivante.
Voilà, je vais faire ça pour toutes mes feuilles et on se retrouve après eh bien, pour le montage de la reliure piano en elle-même. Voilà, j'ai ancré tous mes demi-pages et j'ai mis celui donc, qui était plus long devant. Ce sera ma page de couverture et j'en ai profité pour couper en arrondi avec l'appareil là et ancrer aussi en arrondi. Donc ça, c'est la page de garde et derrière, on a le côté long à l'extérieur et ça, c'est la page arrière. Donc on les met bien dans le sens là pour pas se tromper quand on va faire le montage. Alors là, on prend la page du devant ou la page du derrière. Après, ça n'a pas d'importance tant qu'on n'a pas collé nos papiers. Et je prends une deuxième feuille, un deuxième double feuillet comme ça. C'est pas compliqué, mais il faut bien respecter l'ordre. Donc vous avez vos petites languettes comme ça. Les couleurs, bah, comme je vais faire trois albums avec deux pochettes, là j'ai sélectionné celles qui sont un peu couleurs naturelles. Voilà, alors c'est parti. On prend le premier crayon et de la première double feuille, celle qui fait la couverture. Alors moi j'aime bien mettre les pointes vers en haut, comme ça si on le pose comme ça on n'écrit pas partout. Après c'est libre choix, ou si vous prenez d'autres baguettes sans crayon, ce sera plus simple. Donc le premier, on va prendre celui du milieu, on avance un petit peu comme ça, on passe le crayon dedans et c'est tout. Et là on essaye de le faire dépasser à peu près de 1,5 cm, 2 cm de chaque côté. Ensuite, toujours avec la feuille là, donc dans le premier, cette fois-ci on prend le premier, celui du milieu de la deuxième double feuillet, et on repasse dans l'anneau de la page de couverture. Voilà. Ensuite, on rajoute un feuillet. On prend l'anneau extérieur de la deuxième page, qu'on passe dans l'anneau du milieu de la troisième page et dans le dernier anneau de la deuxième page. On rajoute un feuillet et ainsi de suite jusqu'à la page de couverture. L'anneau du troisième feuillet, dans celui du milieu du quatrième et le dernier du troisième. Voilà, on arrive à l'autre page de couverture. Pour que ce soit joli, ces deux anneaux-là, on ne les laisse pas tout seuls. On met un dernier crayon juste dans le premier et dans le troisième anneau du feuillet. Et voilà. Après, on tape un peu comme ça pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Et en fait, maintenant, on va faire comme pour ici, la tâche pour que ça ne bouge plus. Donc là, j'ai changé. Là, j'avais pris de la tuile. Là, je prends ce petit ruban qui est en 0,4 mm d'épaisseur. Et il y en a à peu près 55 cm. Donc, dans le premier, ça sera votre page vers vous. Dans le premier, vous pliez votre ruban ou votre ficelle en deux. Vous le passez autour du premier crayon. Vous faites un double tour. Voilà, et vous tirez jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près ça, que vous puissiez faire un nœud. Et ensuite, je vais vous montrer comme ça, que vous voyez bien. Ensuite, en tourbillonnant, vous allez passer entre chaque crayon, comme un petit serpentin, et autour du dernier, comme pour le premier, vous faites un tour complet. Et vous repartez dans l'autre sens. Après, vous descendez un petit peu le ruban. Vous voyez là, les crayons, ils ont un peu remonté. On va juste
j'espère qu'il y ait bien 2 cm de chaque côté. Voilà, et une fois qu'on les a, on serre bien. Et pareil, avec le dernier, on refait un tour. C'est ça qui va maintenir les crayons en place. Voilà, et là, on fait un nœud costaud, un double nœud costaud. Comme ça, après vous pouvez l'agrémenter au bout des twins. J'aurais pu mettre une petite perle. Enfin, vous trouvez comment vous voulez décorer votre reliure. Je vais couper l'excédent. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on passe autour du premier, une deuxième fois. Et ensuite, on fait des petits tortillons entre chaque. On serre bien, on garde bien 2 cm. Après, au dernier, on refait un tour pour bloquer le tour. Et là, pareil, on fait un nœud, un double nœud bien serré pour pas que ça se défasse. Pareil, on coupe l'excédent. Voilà, notre reliure piano en elle-même est finie. Maintenant, il nous reste le côté déco. Alors, pour remarquer les mois, j'ai fait des petits onglets avec ma perfo que j'adore de chez Stamping Up. Bah, pareil, là, je vais faire donc 10 onglets. Hein. Ça part de septembre et ça va jusqu'à juin. C'est vraiment l'année scolaire dans le papier que j'ai choisi pour faire la déco. Je fais tout ça et je vous montre comment les installer. Voilà, donc on va les installer. Je vais prendre des petites pinces le temps que la colle prenne. Le premier, eh bien, on va l'installer sur, là vous avez la page de couverture, sur la première page, par exemple, tout en haut, ici. Et ces onglets-là, vous savez, il faut les mettre, je ne prends pas de page, il faut les mettre le coin là, au rebord de la feuille. Si vous n'avez pas d'onglet comme ça, ou enfin de matrice pour onglet, vous faites un petit carré ou un petit rond comme vous voulez pour faire vos onglets. Ou vous ne mettez pas d'onglet, ça c'est vraiment au choix de chacune. J'ajuste bien le bord. Je mets juste 2 petites pinces, le temps que ça sèche. C'est une colle rapide, hein, c'est à nouveau, ça va vite. Voilà. Et du coup, là, le deuxième, bon là je vais mettre des couleurs en quinconce. On prend la feuille du dessous, on repère où c'est que le premier onglet s'arrête. Donc ce sera ici, et on va le poser comme ça sur la deuxième feuille. Et ainsi de suite. Et quand on arrivera en bas, eh bien, on recommencera en haut. Je fais tout ça et je vous reprends. On va attendre un petit peu avant de décrire sur nos onglets que la colle sèche. Sinon, avec un feutre, vous savez,
l'encre va se va s'épater, va s'étaler, ça va pas être joli. Et bien on va en profiter pour faire notre habillage, hein, comme pour l'autre. Donc avec des papiers décor, on fera aussi la petite pochette. Et puis après, on fera un peu de déco ensemble, mais vraiment chacun fera comme il veut ou comme l'enfant, les goûts de l'enfant, voilà. Donc pour la couverture avant et arrière, donc deux fois, il nous faudra quatre fois de papier décor de 18,5, puisque ici, une fois qu'on a enlevé nos 2 cm, il nous reste 19, hein, de là à là. Voilà, ici il nous reste 19, donc on va enlever un demi centimètre, donc 18,5, et en hauteur on avait 14, donc 13,5. Donc on coupe 4 papiers décor, comme on veut, pour décorer, et on pareil sur les côtés extérieurs, on va les arrondir. J'ai coupé mes 2 papiers pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, donc là j'ai pris un papier neutre puisque c'est là qu'on va faire la pochette. Et pour le dernier, comme c'est le dernier, le mois de juin, j'ai pris un papier plus décor et je prendrai l'autre moitié pour faire la contrefeuille. Donc tout cela, je vais arrondir les angles. Et pour pas qu'on voit ce blanc que je trouve pas très joli, je vais juste ancrer la tranche pour qu'on ne voit pas ce blanc, que ce soit plutôt ton sur ton, vert sur vert. Et on colle. Pour toutes nos pages intérieures, on va couper des morceaux de 13,5 sur 16. Il en faudra donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20 morceaux de 13,5 x 16. J'ai collé tout mon papier décor et on va encore faire la pochette ici. Donc là, dans une chute de papier, je vois ce qu'il me reste peut-être là-dedans. Donc comme pour l'autre, je vais la faire un peu pas droite, un peu penchée comme ça. Donc je vais la faire de pas comme ça. Partant de là, je vais la faire de 7 d'un côté jusqu'à 5 de l'autre. Et toujours ici, la même longueur, 16. Donc 7 de ce côté et 5 du côté là. Et pareil, je mets un peu de vert pour pas qu'on voit la tranche blanche. Je viens la coller ici. Je vais juste couper en rond pour qu'on soit raccord avec le papier décor du fond. Je vais venir la coller ici.
Voilà. Durant le temps de séchage, on va continuer un peu de déco. Alors ici, j'avais fait exprès d'enlever 1 cm parce que je voulais qu'on voit le départ de l'onglet que je trouve joli en arrondi. Et ben pareil, pour celui-ci, comme pour l'autre, je vais faire une superposition de washi et de petits stickers. Voilà, ça m'a permis d'utiliser un peu tous mes washi là que j'ai depuis fort longtemps. Des fois, il faut plus utiliser la taille qu'on a parce que sinon, on accumule, c'est pas bien. Et je vais faire pareil avec les stickers, c'est rien que des fins de collection que j'ai essayé de trouver. Et ensuite, pour ici, pour mettre notre papier de classeur, donc là, les dimensions, c'est 12,5 sur 15. Alors, on va les couper et les coller. Voilà, j'ai collé sur la page de gauche à chaque fois ma feuille de classeur que j'ai préalablement, pareil, un peu ancré en vert pour que ça tranche pas trop. Ici, j'ai mis... ce sentiment, et je trouve que c'est une petite fille, ça va lui correspondre parfaitement ce que j'ai choisi. Edwige, si tu me regardes, je pense que ça va te plaire. Donc là, the best view come after the hardest climb, la plus belle vue vient quand on a monté la montée la plus dure. Je trouve que c'est une belle pensée, que les belles choses ça arrive quand on fait un peu des efforts. Ensuite, je lui ai mis the earth has music for those who will listen, la terre a une musique pour ceux qui peuvent l'entendre, qui veulent l'entendre. Voilà. Ensuite, je lui ai mis blessed are the curious for they shall have adventure, bénis soient les curieux, c'est eux qui trouveront de belles aventures. Faut toujours être curieux dans la vie. Go where you feel most alive, va où tu te sens le plus vivant dans la nature. Pour moi, go where you feel most love, donc là c'est le même dans une autre écriture. Et enfin devant, eh bien j'ai marqué son prénom, j'ai marqué sa classe en anglais puisqu'elle est dans une école anglaise, avec l'année et encore 2 petits stickers. Voilà, alors le but de la vidéo, c'était cette reliure piano. J'espère que ça vous a plu. On peut l'adapter à tout, hein, à des junk journal, à des albums photos, à des school books. Voilà, alors il y aura encore une troisième version que vous pourrez retrouver sur Instagram, qui n'est pas tout à fait finie. Et voilà, alors je vous dis encore à tous bonne rentrée, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.